Je crois que les choses se sont bien enchaînées pour nous. Le plan s'est déroulé comme on l'avait prévu. Voilà, donc certes, il y a eu deux pénalties, mais c'est des actions de but net qui sont arrêtées. Donc je pense que s'il n'y a pas le pénalty, il y a une finition derrière et c'est sur une action de jeu bien menée. Donc voilà, on est très content de ce résultat et ça s'est plutôt déroulé comme on l'avait prévu. Coach, c'était votre plan, ça se passe comme vous l'avez prévu, vous dites? Oui, c'est ça. Je crois qu'on a montré nos qualités défensives depuis le début de la compétition. On est quand même très solide, il y a une générosité extraordinaire dans cette équipe. On l'a vu, parce que même acculé dans notre surface, même battu, en fait, on s'est rendu compte qu'on l'était jamais. Il y avait toujours un défenseur pour revenir, notre gardien pour faire l'arrêt décisif. Donc il y a eu une telle générosité défensive qu'avec notre talent offensif, c'était obligé que le Mexique ait un problème à un moment ou à un autre. Après, c'est vrai que le carton rouge en fin de match a facilité la gestion du résultat. Vous félicitez toute votre équipe ou il y a une joueuse en particulier à féliciter? Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment un effort collectif. Le groupe a pris les choses en main. C'est ce qu'on veut quand on est entraîneur. Je suis rentré à la mi-temps et j'ai dit quelques mots tactiques, mais l'ensemble a été dit par les cadres de l'équipe. Je crois qu'elles ont pris... Elles ont pris le projet qu'on leur a donné, maintenant c'est elles qui l'ont, elles tiennent et je crois que c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps, on le tient et on ne lâchera pas, on ne lâchera rien. Au regard du classement, votre équipe est actuellement deuxième, c'était déjà le plan. Et comment sera votre prochain match face à la Jamaïque? On va l'aborder de la même façon, hein. On veut gagner le match. Je crois qu'on n'est pas dans la gestion, on n'est pas à chercher le match nul, on va tout simplement jouer pour gagner. Avec nos qualités, mais ça c'est sûr, tout le monde peut en être assuré, on ne viendra pas au dernier match pour jouer petit bras, on a de l'ambition, on ne craint personne maintenant, hein. Je crois qu'on vient de battre le 26e mondial, donc on va craindre personne et on va jouer pour gagner. Un message pour le peuple haïtien? Je crois que le peuple haïtien est derrière nous. Des fois il a des petits doutes, mais je peux vous dire que voilà, il peut pousser fort son équipe. Les filles sont extraordinaires de générosité et de volonté pour leur pays, pour leur maillot. C'est ce qu'elles ont dit en premier dans le vestiaire, c'est ce qu'elles se disent avant chaque match. Donc je peux vous assurer que le dernier match, on donnera tout pour le pays et pour se faire reconnaître sur la grande scène internationale. Merci beaucoup. On est très fiers de nous. C'est une bonne performance, c'est pas fini, pas du tout, mais ça c'est un résultat, on est fiers de on gagne aujourd'hui. L'objectif principal c'est d'aller à la Coupe du Monde, oui. Et ce match, comment on va aborder ce match contre la Jamaïque? C'est l'objectif, c'est on reste concentré, on travaille, on concentré sur le plein jour de notre entraîneur. Et c'est simple, c'est pas fini, on travaille, on est une bonne équipe, mais on continue le travail. Vous êtes une joueuse très disciplinée tactiquement, vous travaillez ça en club? C'est un peu mon caractère, mais dans le groupe, c'est très important. On reste très discipliné et j'apporte les choses comme ça pour monter le niveau de toute l'équipe. Yes. Un message pour le peuple haïtien. Oui. Un message pour le peuple haïtien. Un message pour le peuple haïtien. Vous êtes content? Oui, j'ai pas les mots, mais on est très contente pour les bonnes représentations de notre pays et on continue le travail. Oui. Merci beaucoup. Je me sens bien content parce que j'ai toujours dit pour mettre ses dettes. Et en plus, je me suis dit que tout. Et nous sommes, depuis que je suis en football, je me suis dit que je suis en tête. Et bien,
malgré me tirer à ton première pénalité, mais deuxième n'a mettre dans camp. Côté motivation ça sorti. Comment? Motivation ça côté sorti. Bon. Normalement c'est non moins. Et me sont femme qui grand pile courage tout. Critique pas qu'à faire me baisser. Pour en tête moins et puis nous sommes c'est comme ça mieux. C'est mon Dieu de bon courage là même. Pas de doute du tout, donc on va tirer deuxième pénalty ça. Même pour jouer, pas de doute du tout, du tout. Pas de doute parce que son bail comme d'habitude. Pas de doute. Je dis à Haïti deuxième dans le classement, comment vous êtes et prochain match face à Jamaïque? Et normalement, nous sommes satisfaits, mais son gros victoire quand même parce que nous avons joué devant Mexico et la Kaili. Nous avons joué contre public. Nous avons arrivé à gagner, mais le travail est beaucoup fini. Nous avons notre match. C'est notre match qui va permettre de nous qualifier. Un message pour les Haïtiens. Comment? Un message pour les Haïtiens. Continuez à supporter nous. Continuez à croire en nous. Et si pour nous, si pour nous, important, et important pour nous tous. Merci à vous, nous allons continuer à faire gol. Nous ne pas promettre, mais je travaille pour nous faire gol. D'accord, merci. Bah, si on nous fait un gros match à Soya, même si on ne pas marquer, ça n'est pas un problème. L'objectif, c'est pour me qualifier. Tout ça que je souhaitais, c'est que je mettais toute qualité, toute performance moi, au service du collectif. Donc, c'est ça que je fais à Soya. Et je suis content et c'est ça qui est le plus important. Dans le cas des classements, Haïti 2e, comment nous comptons aborder le match face à Jamaïque là et prochainement? Nous avons une compétition côté qui a 3 grandes équipes. Là, nous perdons le premier match face aux États-Unis, nous gagnons le deuxième match face au Mexique. Là, nous focus sur Jamaïque et nous n'avons pas abordé avec la même sérieuxité que nous prenons parce que pas un match qui est facile et surtout, et c'est un match qui peut définir qui est pas dans la Coupe du Monde ou pas. Donc là, nous gagnons une chance pour qu'il nous aille au Mondial, donc nous avons saisi l'opportunité. Il y a un match qui nous va au Mondial, nous allons chercher le Mondial de Jamaïque pour nous qualifier. Donc, ce qui est important, c'est aller au Mondial, peu importe la manière, nous prenons. Nous faisons constat que un peu l'harmonie toujours existe dans le groupe là, c'est très bien quand même. C'est très bien, même si comme si nous gagnons des joueuses qui sont nouvelles, nous intégrons assez bien dans le groupe pour que capable sentir à l'aise, sentir bien. Et moi-même personnellement, je pense que ça fait les ou nouvelles nos équipes et ouvrir une nouvelle atmosphère, une nouvelle culture et tout. Donc nous faisons face pour mettre tout le monde à l'aise pour capable meilleur de eux-mêmes les représenter à Haïti. En parlant des nouvelles joueuses, je pense que c'est clair constant. Moi, les Cyborg. Moi, les Cyborg parce que les appliqués sont joueuses qui sont vraiment solides et les tendent et les font pile effort. Donc, quand nous sommes capables de remarquer les folles sous terrain, donc c'est apprécié. Bah, rien pour me reprocher. Comment ça va ici? Mais ça, je veux dire, c'est que je suis vraiment content. Franchement, c'est pour la première fois dans la compétition du début. Compétition beaucoup fini, mais nous, je ne suis pas en pile haïtien. Ça fait vraiment plaisir. Et nous, quand on va tout le support que nous avons, nous transmettre, nous comme si nous transformer le nom qui vous fait qu'on est content. Donc, je dis merci pour le support. Parce que ça nous encourage et nous, et nous avons fait le job, nous, ça nous fait le résultat Haïti fièrement. Merci. Okay.